de l'atelier, c'est une immersion en forêt, une balade en forêt, avec captation de son. La deuxième séance, c'est un atelier d'écriture. Moi, c'est un premier atelier d'écriture déclencheur d'implication, j'allais dire se mettre en écriture. Il y a une deuxième séance d'atelier d'écriture pour avancer un peu sur la thématique de la forêt. Et la séance d'après, c'est un enregistrement. Les personnes lisent leur texte. Et Jean-Michel, qui aura fait un travail autour des captations sonores avec les participants pendant la promenade, et va également faire un montage avec les lectures des textes des personnes, de leur production. Enfin, les personnes lisent leur production. Voilà, l'idée c'est ça. Pour faire ce genre d'amusement et ce genre de choses, on a besoin d'un peu de matériel évidemment, parce que ça ne se fait pas tout seul. Alors pour, voilà, mon matériel est assez succinct. J'ai un ordinateur, voilà, avec le logiciel Ableton qui est installé. Ensuite j'ai ça, c'est un micro, tout le monde connaît. Vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Donc on va tous enregistrer quelque chose. Oui, c'est avec une joie sans cesse renouvelée, teintée néanmoins d'un léger soupçon d'émotion, que j'ai l'honneur et l'avantage de vous remercier pour cette présentation. Tu m'as dit rien déjà, rien, le mot rien, je vais faire chose avec le mot rien. Allez, c'est quoi votre prénom? Nadine. Quoi vous voulez, Nadine? Mais quoi dire dans ce micro? Oh, c'est un micro magique. Zzzz, boum. Tcha, tadam, tadam, tcha. Tcha, tadam, tadam, tcha. Oui. Oui, c'est un micro. Il y a un surforcement dans le problème. J'ai un soupçon d'émotion que j'ai l'honneur et l'avantage de vous remercier. Voilà, ensuite, Nadine. Donc avec ces trois sons, en gros, moi je dis toujours que c'est la matière. Donc la matière, le matériau. Au début, le matériau, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne carte son et un micro, parce que le matériau, ça va tout déterminer. Une rythmique, là. On va y aller vraiment tout doucement. C'est ce que j'appelle le déclencheur. Comment se met en écriture? En fait, vous allez parler de vous. Moi, je vous demande simplement d'essayer de me dire la couleur que vous préférez, déjà. La fleur que vous préférez. L'animal que vous préférez. Votre nourriture et votre boisson préférée. Le principal trait de votre caractère. Vous avez vraiment fait des déclencheurs, vous êtes mis en écriture et on commence par soi-même. Voilà, vous êtes fait un petit portrait de vous-même. Je vais vous mettre des personnages, de toutes sortes, de tout âge. Ne choisissez pas quelqu'un que vous connaissez. Vous choisissez une personne. Mais cette personne va faire son autoportrait, c'est-à-dire que vous allez écrire en jeu. C'est elle qui va se décrire. Je vais vous demander déjà de lui trouver un nom. Sa situation familiale, vous allez parler de ses goûts et de ses dégoûts. Vous allez dire si elle ou il était, qu'est-ce qu'il serait. Si j'étais un arbre, je serais ça, peut-être. Et c'est important que le personnage ait comme ça une dimension un peu énigmatique. Quelque chose de l'ordre du secret. J'ai oublié de vous dire que j'ai été recueillie par une famille pour fuir la guerre d'Algérie française, m'a-t-on dit à ma naissance. Je vous présente ma mère adoptive et ma grand-mère qui veut toujours me donner à manger des laitages pour mes os, dit-elle. Joli. Donc c'est lui. Oui. Je m'appelle Richard Attenborough. Je suis néo-zélandais. Exilé aux îles Kerguelen, où je vis seul. J'adore les huîtres et les romans d'anticipation, mais j'ai horreur des tomates. Si j'étais un arbre, je serais un séquoia. Si j'étais une constellation, je serais Orion. Mon secret, c'est que je suis le seul à connaître l'entrée du tunnel qui permet d'accéder au plus grand phare de l'hémisphère sud où je vis, seul, avec mon chat Bakounine. Oui, donc assez rapidement, on a déjà le démarrage d'une histoire.
Alors voilà, donc l'atelier se poursuit avec un rapport à la forêt. C'est-à-dire que je demande si ce personnage a un rapport ou non avec la forêt. Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il la déteste? Est-ce qu'il en a peur? Quels sont ses rapports avec la forêt? Voilà. Et en général, bon voilà, après le récit se constitue. Oui, c'est avec une joie sans. Oui, c'est avec une joie sans émotion. Sans émotion. Michel, j'ai complètement coupé son discours. Nadine, je l'ai toute découpée. On m'amasse alors. En gros, mais voilà. Quoi dire dans ce micro, Samine? Mais quoi dire dans ce micro, Et notre amie Christine. Après, je t'ai mis là. Là, après, je t'ai mis. Faire beaucoup et pas grand chose. Voilà le matériau, c'est ça. Et après, bah, si on vous voit, et bah, ça fait un truc super. Un Zoom, c'est un enregistreur numérique de professionnel, de qualité. Donc il sert à capter des sons et au bout j'ai mis un micro canon. Un micro canon, c'est un micro directionnel qui nous permet de choper des sons et de pointer les sons en fonction de ce qu'on veut prendre. Et autour j'ai mis une bonnette. À quoi elle sert? Ça sert juste à éviter qu'il y ait trop de vent, prendre des sons, les sons de vent, etc. Voilà. Donc ensuite, bah, je prends des sons, je prends tous les sons que je prends, etc. Ces sons-là, et ben après le soir, je les nettoie. J'enlève le début si j'ai pris trop tôt, j'enlève la fin s'il y a du bruit. Je l'amplifie pour qu'on entende bien que le son, et voilà, et ça me fait une banque de sons. Et ensuite, cette banque de sons, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la mettre dans mon logiciel, et avec ce logiciel, ben, je vais créer des banques de sons pour faire des voix, pour faire de la danse, pour faire tout ce qu'on veut, voilà. Là, je vais vous faire voir, on va choper l'appui sur le parapluie qui va être super bien. Voilà, bah écoute, tiens, c'est qui veut peut-être écouter? Ah oui. Non, je suis pas sûr. Non, ça crépite. Tu vois? Tu pourrais écouter? Oui, bien sûr. Ah si, c'est bon, on entend. On dirait un vinyle. Ah, oh, c'est trop bon ça. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai. Ou un feu de cheminée, enfin un truc qui crépite. Attends, alors là, donc là, je fais ça, clac, j'enregistre. C'est drôle parce que si jamais on n'entendait pas les grosses gouttes qui s'écrasent, on pourrait croire que c'est un ruisseau ou quelque chose comme ça, mais on entend les ploc-ploc des... Oui, mais ça, tu vois, une fois que c'est traité, tu traites un peu et tu mets... Ah, ça va faire une bande gêne, ça. Mais oui, c'est ce que... Oui, ça fait une nature découverte. J'ai fait exprès. Faites patient. Alors. Non, c'est toi qui es vidé. Mais si, il faut avoir une idée. Je m'appelle Jules Nivelle et ça va être envoyé après à l'association pour laquelle Laurent et moi on bosse, qui s'appelle Filigrane.
et qui est en train de fabriquer un livret. C'est des histoires qui doivent avoir quand même comme fond, comme cadre, la forêt. Et toutes ces choses-là, on les enregistre demain. Vous avez mis des modifications ou pas? Peut-être pas vous. J'ai juste envie de prendre sur le livre. Je m'appelle Sarah Cora, j'ai 140 ans. Je suis mariée avec un cadavre mort depuis 2004. Je suis retraitée, j'aime me faire des couleurs. Je n'aime pas les gens. Mon secret, j'ai tué mon mari, je l'ai enterré dans la forêt. Moi, auditrice de ce texte, j'ai juste l'impression qu'on est dans du fantastique. Pourquoi pas mettre une histoire dramatique en forêt? Peut-être que du coup, il va y avoir une ambiance sonore qui va faire que bon, on va entendre cette histoire comme une histoire fantastique. Bonjour, je m'appelle Philippe Marchand, j'ai 45 ans, je suis viticulteur célibataire et pas forcément malheureux. J'aime mon métier et je n'aime pas les mauvaises récoltes. Si j'étais un animal, je serais le sanglier. Mon secret, c'est de laisser en fermentation le vin pour un maximum de vin de Calitax. L'histoire est intéressante. Si on avait le temps, je vous ferais travailler sur cette histoire. Mais le rapport à la forêt, il est moyen. Là, la viticulture, pourquoi pas? Je suis modératrice discorde et cadreuse. Simplement, il fallait expliquer ce qu'était les modératrices discorde. J'ai déjà volé un briquet et deux paquets de cigarettes au tabac du coin. Même ça, à la limite, on peut le garder parce que c'est un secret. J'aime les pentes et les trains. Je n'aime pas la lumière du jour. Si j'étais un animal, je serais un hippopotame. Mon secret est simple. Je suis président d'un chef de club de chauves. Et je me balade dans la forêt pour sortir l'arpège sur mon crâne chauve. Alors, là, c'est votre choix. C'est rigolo, cette histoire de président de club chauve. Alors, soit vous gardez l'idée de chauve, soit vous gardez... Je suis baron de la drogue. Je cache dans la forêt les corps des personnes m'ayant trahi. C'est bon, c'est des personnages. Ça peut être un peu fantastique. Pourquoi pas? C'est une histoire sombre de forêt. Je suis maître chien, j'adore les chewing-gums et je n'aime pas changer de vêtements. Si j'étais un animal, je serais un chien car j'aime bien suivre les gens. Mon secret, c'est que je suis modérateur d'un site web. J'habite dans une cabane dans la forêt et j'aime bien les sangliers car ils sont sympas. Est-ce que je le garde? Mais j'en ai peur car il pique ma nourriture. Je le garde ou pas? Ouais, allez. Ok, très bien. 10 ans après, je retrouve mon ex avec qui j'ai fait ma première fois dans la forêt. Il a quitté son site internet car il manque de nitro. Alors, moi, j'ai pas les Il a donc créé son entreprise de terrine de guêpes qui a bien marché. Nous nous sommes remis en couple. J'espère qu'on vivra heureux jusqu'à la fin de nos jours. Alors, moi, j'aime bien l'idée de la rencontre. Pourquoi pas une entreprise de terrine de guêpes? Je trouve ça plutôt marrant. Bonjour, je m'appelle Pénélope Cochon, j'ai 77 ans, j'ai 28 enfants, je suis fleuriste, je ne fume pas. Mon secret, je suis allergique aux enfants. Mon deuxième secret, c'est que j'ai abandonné un enfant, Moussa. Ce que j'aime bien chez moi, c'est de m'occuper de mon jardin. Dans ma forêt, j'aime les grands espaces, sauter de branche en branche, faire des réserves pour l'hiver, chasser les limaces ou les insectes, creuser des galeries pour me cacher. Je l'aime, ma forêt, car elle m'abrite, me fournit tout pour mon nid, me nourrit de graines, de conifères, de noisettes, de châtaignes, de bourgeons. Elle m'offre la liberté. Bah écoutez, mais c'est pas mal. Oui. La seule chose, la chose que je vous conseille maintenant, c'est de faire comme si vous lisiez l'histoire à des enfants. Chaque chose est importante et c'est « Je m'appelle Panache ». Faites comme si vous étiez vraiment l'écureuil. « Je m'appelle Panache, je suis un écureuil roux, on me surnomme le roucaille. » Faire des réserves pour l'hiver, chasser les limaces ou les insectes, creuser des galeries pour me cacher. C'est mieux, encore plus. Creuser des galeries pour me cacher. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Alors une fée apparaît et me dit: ici, pas de barbelés, pas de fusils, pas de chiens méchants. Tu es au pays de la liberté. Tu peux te reposer tranquillement. Elle était blonde comme les blés et avait des grands yeux bleus évoquant un ciel limpide sans nuages. Ah oui, et ben c'est pas mal aussi. Attention à la roche d'ajou, parce qu'on n'entend pas ajou. Roche d'ajou. Faites-y attention. Ah ouais, j'ai parlé trop vite. Oui, non, mais globalement, c'est bien. Vous pouvez encore ralentir pour mettre aussi de l'importance
encore plus grande, ouais, à chaque événement. Théâtralisez un petit peu ce que vous dites. C'est dans quel état, ce qu'on appelle l'état émotif, je suis partie sans enthousiasme, presque sûre que je n'allais pas arriver à destination. Voyez, retrouvez l'état dans lequel vous étiez au moment où vous avez commencé la balade. Et au contraire, quand vous arrivez à la roche d'Ajou, c'était magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Voyez ce que je veux dire. Lorsque je l'ai aperçu, je me suis retrouvé comme hypnotisé, attiré par je ne sais quoi d'elle. Je l'ai suivi, sans savoir où elle m'emmenait, dans cette forêt à la fois sombre et angoissante, mais également si lumineuse et si rassurante par son calme et son silence. Lorsque je l'ai aperçue, je me suis retrouvée comme hypnotisée. Attirée par je ne sais quoi d'elle, je l'ai suivie, sans savoir où elle m'emmenait, dans cette forêt à la fois sombre et angoissante, mais également si lumineuse et si rassurante par son calme et son silence. Ok, je vous arrête, c'est bien. Ça, c'est bien. Enfin, je l'entends mieux encore, votre tête, ouais, comme ça, ouais. Voyez. Donc, je lâche et c'est quand vous voulez. Ouais. Je suis partie sans enthousiasme, presque sûre que je n'allais pas arriver entière à destination. D'ailleurs, au moment de l'inscription, j'ai demandé à Michel s'il y avait une ambulance. Quand on fait une prise de son, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a mis le coup comme ça, il ne faut pas bouger, quoi. Il ne faut pas s'approcher. Si on se rapproche, ça fait force. Si on se recule, il y a moins de gains. Et je choisis un vieux et grand chêne pour en faire mon bois de chauffage. Ok, ça va faire. Alors attention à la roche d'Ajou, hein. La roche d'Ajou. L'auditeur ne connaît pas forcément la roche d'Ajou. Située sur les pentes de la roche d'Ajou, appelée Forêt des Feux. Attends, tu vas parler un peu si tu veux. Là, impeccable pour moi. Les arbres, les fleurs, les feuilles, la neige, le vent dans les pins, les traces d'animaux, les odeurs après la pluie, les raies de soleil à travers les troncs, les roches millénaires, les traces des fées, les sources. Nous sommes maintenant... C'est alors, attention, parce que là, c'est un coup de théâtre, quoi. C'est alors que Lapinou mangea une carotte. Je m'appelle Domino et je suis un lapin mâle. Je suis encore bébé. Je la taquine, je la pousse et même des fois, je lui dis des choses pas très gentilles. Il faut parler fort. Il faut bien articuler. Ouais, mais faut pas crier quand même. Non, mais tu sais, il faut parler fort. Hein. Moi, là, comme je te parle, je parle fort. Je parle pas comme ça, parce que c'est pas comme ça. Non, d'accord ? Avance ! Je m'appelle Domino et je suis un lapin mâle. Je suis encore bébé. Ouais. Mon secret, je fais ça. Attends. C'est un secret, là. Mon secret. Mon secret, je fais semblant de ne pas aimer Rose. C'est parce que je suis timide. Alors, ah oui, non, mais là, attends, on dit autrement. C'est parce que je suis timide. C'est parce que je suis timide. Ah oui. Les trucs en rose. Ouais, tout ce qui est en rose, tu dis ton truc en rose. Et après, moi, je montrerai, on coupera et on mettra, d'accord? Je vous ferai voir comment on fait. Allez, go. Renardette et le renard ne se quittaient pas du regard. Renardette prit donc son courage à deux mains et lui avoua ses sentiments pour lui. Là, t'as fait un peu... C'était un peu long, là. T'as hésité. J'ai tout coupé ça. Hop. C'est quoi ton prénom, toi? Axel. Je suis âgé de 100 ans. Mon secret, je suis un extraterrestre. Tout d'un coup, nous voyons des bandits en train de braquer le supermarché. Nous nous approchons. Doucement, sans bruit, et nous les encerclons. C'est bon? Tu veux le refaire ou c'est bon? On refait. Tu veux refaire? Ok. Tu peux refaire à les bandits, là, tu vois, t'as hésité un peu. Allez, feu. Tu peux parler un coup pour moi? J'ai plusieurs pouvoirs que personne ne connaît. Je peux me transformer en n'importe quel animal. Axel, tu dis Axel, Océane, Attends. Axel, Océane, Jonas, présente les super-héros. Comment c'est votre histoire? Comment elle s'appelle? Elle est bizarre, ta voix, Nani. Oui, très bizarre. Tu veux écouter après? Oui. Tu m'entends? Tu lis tout ce que tu as à lire. Voilà, bah tu lis tes trucs, tu lis tout, et après Kiberlet, elle lira son truc, et après on montera.
À la fin de l'automne, Chloé alla chercher son sapin dans la forêt. Elle avait un panier de noisettes car elle voulait faire un gâteau pour Noël. Ne bouge pas. C'est bon, tu vois là ou pas? Ça va? Et Isabelle? Tu te rappelles, Isabelle? Et peut-être que Laurent, tu l'avais peut-être pas vu. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va écouter. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une piste de 13 minutes avec les voix de chacun, avec les ambiances. Tu te souviens, on était allé se promener dans la nature, on avait enregistré les avions, les corbeaux, des oies, le chien, les poules, enfin tout ce qu'on avait pu, enregistrer. D'accord. Donc moi ces ambiances, j'en ai fait une bande sonore qui accompagne vos histoires et vos voix. D'accord. Donc ce que je vous invite tout de suite, c'est on écoute, on se prend ça dure un petit quart d'heure. Donc on commence par le résultat et après on fait l'explication. D'accord. Eh bien c'est parti. Je m'appelle Kylian, je suis un loup. J'ai ma maman, mon papa, j'ai deux petits frères. J'aime les jeux et les oranges. Je suis un sanglier. J'ai deux enfants, ce sont deux mâles. J'aime les glands et le maïs et la boue. Je fais 136 kilos. J'habite dans les bois près d'une mare. Dans cette mare, nous pouvons nager et manger des vers de terre. Et je me baigne dans une eau au sirop de fraise. Je m'appelle Chouchou, j'ai 6 ans, je suis une chauve-souris. Mon secret, c'est que j'ai un nid bien caché. J'adore manger les crevettes, mais je déteste manger les sauterelles. Je m'appelle Simba, je suis un chat, j'ai 2 enfants et 2 frères. J'aime manger de la viande, du thon, des croquettes et des souris et des sangliers. Je déteste aller dehors quand il fait froid. J'ai rencontré Coco dans la forêt l'été. Je m'appelle Léva, je suis une renarde. Vous avez reconnu toutes vos voix? Oui. Alors, vous voulez que je vous explique comment j'ai fait un petit peu? Oui. Vous voyez tous ou pas là? Oui. En gros, ça se présente comme ça, c'est-à-dire vos voix, je vais vous faire voir où elles sont. Voilà, ça c'est toutes vos voix, vous voyez? Ce sont deux mâles. Alors, dans le montage, j'ai pris le parti de ne pas déformer vos voix. D'accord ? J'ai mis vos voix comme elles sont. C'est-à-dire que j'ai déformé tout ce qui est autour, mais pas vos voix. Ouais, c'est trop rare. Peut-être que je fais un montage avec vos voix déformées. Ouais. Je pense que ça va m'amuser comme vous. Si on écoute Evan, regardez, on va rendre sa voix rythmique. Donc Evan, elle est comme ça. Je m'appelle Simba, je suis un chat. D'accord. Et Evan, je dis maintenant, Evan, tu vas faire du rythme avec. Vous voyez, je vais la mettre là et il va me dire, est-ce que tu veux faire de la batterie ? Je dis ouais. Je m'appelle Simba, je suis un chat, j'ai 2 enfants. Et là, c'est moi, c'est plus compliqué parce que, du coup, vu qu'il a un débit qui est constant, et ben vous voyez, ça me fait un truc constant. Alors qu'avant, Eden qui avait un débit un peu plus haché, ça a permis de faire une batterie et la batterie te suit en gros. C'est toi qui as fait la batterie. Ta batterie, elle est couplée avec la voix. Et vous avez entendu aussi, à un moment, il y a une voix d'un côté, il y a une voix de l'autre. Oui, vous avez entendu ça. C'est des poules. Ouais, c'est des poules. Et ben les poules, je me suis dit, tiens, j'en ai une à gauche, une à droite. Et pourquoi j'ai fait ça? Ça s'appelle le panoramique, d'accord? Panoramique, en musique, on a le choix d'écarter les voix comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y en a une qui est là, il y en a une qui est là. Quand vous allez voir un orchestre, vous avez déjà vu des orchestres où, oui. Voilà, ben quand vous allez à un orchestre où vous posez, il y a les violons d'un côté, il y a les altos, il y a le violoncelle, les cuivres. Et quand vous écoutez, et ben vous avez, ça s'appelle une spatialisation. Donc le son, il n'est pas qu'en face, le son, il est ouvert comme ça. Donc je me suis dit, tiens, ça serait plus sympa d'ouvrir le son. Si je décide, Jimmy, je le mets plus large comme ça, d'accord? Il y a deux côtés. Souvent les églises, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est grand, et quand on parle, ça fait ça comme ça le son, d'accord? Donc ça, c'est de la réverb, on dit. Donc regardez, je vais mettre de la réverb sur Lydia. Je m'appelle Coco, je suis un cerf, j'ai deux cerfs. Non, je l'enlève, écoutez bien. Et un garçon, il s'appelle. Là, c'est sec. Lucie. Et là, on a l'impression que t'es dans un... J'aime aller dans la clinique. Dans une cathédrale, quoi. Ouais. D'accord. Ça offre quelques minutes de cet espace en plus.
tronçonneuse aussi grosse que ça. Jamais. Elle est pas moi. Parce que dans une forêt, elle a. Alors déjà bonjour à tous, c'est super de se retrouver après toutes ces aventures dans la forêt, hein, et puis les sons qu'on a captés, etc. Le principe de l'expo, c'est que dans la cabane, on a monté toutes les histoires avec les sons, donc il y a les histoires de tout le monde, donc ça fait 1h30 d'histoire, ce qui est long, donc on n'est pas obligé de tout écouter, qui vont être diffusées dans la cabane. Donc on se pose dans la cabane, on écoute l'histoire qui est diffusée avec les sons, on va faire autre chose, on revient, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir écouter tout ce que vous avez écrit et dit. Voilà. Alors ensuite, l'idée que Isabelle a eue et Filigrane, c'est d'éditer un petit livret. Voilà, parce qu'un petit livret, mine de rien, ça fait un bon souvenir pour tout le monde. Donc sur ce livret, il y a toutes les histoires de tout le monde, voilà. Et pour pouvoir écouter ces histoires, parce que vous avez peut-être envie d'écouter les vôtres d'abord, parce que voilà, c'est comme ça. L'idée qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit QR code. Ça nous permet, quand je les scanne, voilà. Donc je vais scanner mon QR code. Voilà. Et là, je vais directement écouter l'histoire qui sont derrière. Donc ce qui permet à tout le monde de les écouter. Ah d'accord, voilà. Ah bah voilà, c'est marronnier. Tiens-le. C'est vraiment l'audio. Ah, c'est l'audio par rapport au texte. Oui. Et derrière, il y a toutes les histoires qui sont écrites. Et en même temps, vous pouvez suivre l'histoire. Alors, regarde. Je m'appelle Mathis et je suis un écureuil. Je suis adulte et j'ai un secret. Je peux me ressusciter. J'aime bien les noisettes, mais pas les autres. Un jour, un ours a essayé de me dévorer après m'avoir attrapé. Je suis un ours et je m'appelle Teddy. J'ai 2 enfants. Je suis âgé de 5 ans. Je déteste me faire piquer par les abeilles, mais j'adore manger leur miel. J'ai un secret. Chaque nuit, je me transforme en loup-garou et je croque des petits animaux. Je suis âgé de 5 ans. Je déteste me faire piquer par les abeilles, mais j'adore manger leur miel. J'ai un secret. Chaque nuit, je me transforme en loup-garou et je croque des petits animaux. Saint-Vincent-de-Paula, le lac des Saint-Vincent. Et on peut puis ici différentes altitudes et les endroits où les forêts, en fait, elles sont. Là, il y a le lac des Sapins. Toutes les taches noires, vous allez voir apparaître en vert foncé, c'est toutes nos forêts, en fait. Ce qui est proposé, c'est de pouvoir entendre un texte lu par un enfant qui a réalisé ces textes. Et puis du côté du VHB, pareil, qu'une personne puisse lire un texte. Je m'appelle Coco. Je suis un cerf. J'ai 2 sœurs et 3 enfants. J'aime aller dans la prairie et courir dans le bois. Simba et moi, on s'est retrouvés dans une forêt pas comme les autres. J'ai repéré un endroit idéal pour se ressourcer. Je suis sûre que ça va leur plaire. La Roche d'Ajou, vous connaissez? Non? Eh bien, allez-y. On dit que c'est le lit des fées. Nous, on a une forêt des fées. D'accord. Allez, sur la carte, je laisse marqué forêt des fées. Donc, c'est vrai. Bah oui. Gordilienne les a vues. Oui. Moi, je la connais, la fée. Je vais vous montrer la fée qu'on a pu prendre en photo. Voilà, elle est... Oh là là, une fée en photo. Un jour, je t'emmène. Si tu es bien sage, elle peut. Tu pourras peut-être la voir. Tu vas voir ma fée. Tiens, regarde, c'est ma copine, ça. Je me promenais dans les forêts de la Roche d'Ajou lorsque tout à coup, une petite voix m'interpella. Bonjour, toi. Je te reconnais. Tu t'appelles Roland. Et souvent, tu parcours ces forêts, seul ou accompagné, comme hier, de Paul, Hélène, Michel, Jean-Philippe, Françoise, Natacha et les autres. Mais qui me parle? Où êtes-vous? Et comme voulez-vous? Je suis la fée de ces forêts. Je veux simplement que l'on fasse connaissance et te demander d'assurer la pérennité de ces grands bois. Car je sais que tu aimes cette forêt avec sa disparité d'arbres, ses nombreuses sources et ses surprenants chaos de roches énormes. Je m'assois sur une roche et après un temps qui me parut éternel, la fée des forêts m'apparut. Elle avait une longue robe blanche,
de mignons petits souliers faits de mousse et de lichen, de très longs cheveux blonds, des yeux d'un bleu profond et des petites ailes transparentes ourlées de bleu. Elle reste face à moi et me dit « Dans ces grands bois, mes compagnons sont tous des êtres vivants, animaux, oiseaux, insectes, etc. Je veille sur les promeneurs et s'ils s'égarent, je les remets sur le bon chemin. J'aimerais que tu arrives à convaincre les forestiers qui travaillent dans ces forêts d'en prendre grand soin et surtout d'éviter de tout couper pour les replanter avec une seule variété d'arbres. Ou alors, je devrais partir, car je ne peux me déplacer entre les branches de ces plantations et la plupart de mes compagnons la quitteront aussi. Oui, bonne fée des forêts, je te promets d'essayer. » Ainsi naquit le début d'une merveilleuse amitié entre la fée des forêts et moi, Roland. Dire des souvenirs à partager, belle expérience, moi je dirais, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On s'est embarqué dans nos histoires. Oui. Non, puis c'est la balade. Il faut reconnaître. Il prenait les sons, il partait devant, il enregistrait. Moi, j'ai trouvé sensationnel, ça. Puis tout doucement, je reconnais que tu nous as bousculé un petit peu. Alors moi, je ne sais pas comment. Ils écrivent plus vite que moi. Moi, je ne peux pas écrire comme ça. Il faut que je rentre chez moi, puis tous les jours, j'en pense un peu. Puis... Et c'est pour ça que je suis toujours le dernier à envoyer, parce que. C'est vrai que. Dans le groupe, ben Roland puis d'autres aussi étaient surpris que certaines arrivent à... certaines et certains parce que... Certains aussi. Ah oui, Jean-Philippe, très rapidement. T'écris tout de suite, toi. J'avais une première chose qui est arrivée très vite, en moins d'une heure. Dans le discours, dans le dialogue courant, c'est facile. Oui. On dit ce qu'on pense, mais là, il a fallu travailler, il a fallu faire un effort. Ouais, et c'était intéressant. Vous y allez dans cette forêt, tu y vas l'été, là, et tu dors, tu te couches dans les feuilles, t'as un nid de feuilles épais comme ça. C'est impressionnant. Oh, bon, dans le lit de la fée, alors le lit de la fée, c'est une barrière. Et les enfants, comment ça s'est passé? Alors, quand vous êtes allés vous promener en forêt pour prendre les sons? Ça a été. Ça va, j'ai ben moi, j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des textes, je trouve qu'il y a eu des choses... Ce qui est intéressant, c'était la diversité des textes, c'était la rapidité avec laquelle les gens sont mis en écriture. Donc moi, j'ai trouvé ça très gratifiant, très agréable, et puis de belles rencontres, hein. Enfin, avec tous les participants, c'était superbe. C'était très sympa parce que les gens ont énormément apprécié me faire connaître les lieux où ils aimaient aller, que ce soit les forêts, que ce soit les prés, et que ce soit avec les enfants ou avec les personnes âgées. Ils ont tous eu un intérêt génial à se dire, viens voir, je vais t'emmener voir les sangliers, je vais t'emmener voir les fées, je vais t'emmener voir les arbres, je vais t'emmener voir tout ça. Et j'ai trouvé ces moments-là qui étaient, c'était génial. Voilà.